Naresh, you can start. Please unmute yourself. Yeah. Is that audible? Yes. Yes. Yeah. Bienvenue à tout le monde et merci de nous rejoindre aujourd'hui pour
cette séminaire sur la qualité de divulgation selon le mandat d'ESMA, ESEP. Et on va discuter pourquoi on doit faire les choses correctement et pourquoi c'est impératif d'avoir les divulgations précises. Et tout d'abord, j'aimerais introduire notre chef du chef d'équipe de produit, Anu. Anu. Thank you, Naresh. A very, very good afternoon to everyone. Thank you for joining our webinar. This is specifically focused on quality of annual reports of European companies. I welcome everyone who's joined on the meeting link here on Zoom. I also welcome everyone who's watching this webinar on our YouTube channel. A very special warm welcome to our guest speaker, Thomas, who's there on the call today and the webinar today. Thank you so very much, Thomas, for agreeing for the time and also for presenting today. Thank you so very much. So the next 1 hour, we will briefly cover on the study that we have done around an analysis around, 700 annual reports that we have gone ahead and created. So the details of the study will be explained by my colleague, Naresh. And Thomas will go ahead and explain of how to get your ease of filings right. Thank you, everyone, and welcome. Over to you, Naresh. Okay, on va continuer. Et j'aimerais vous montrer nos compétences en tant que un prestataire de services IXBRL et XBRL. Et on est connu comme IRIS Business Services Private Limited. Et on a la présence dans 36 pays. Et notre produit est utilisé par 1,5 million d'entités partout le monde et nous avons fait plus de 5 millions de dépôts et on est spécialisé en XBRL depuis l'année 2005 et on est une société mondiale de la technologie réglementaire, en bref c'est RegTech. Et nous avons plusieurs sociétés, plusieurs solutions de conformité pour le monde numérique. Et notre présence est partout le monde, en Europe, aux États-Unis, et à Singapour. Et on est un membre des associations comme XBRL Europe et XBRL des États-Unis. Les régulateurs sur nous parce que nous sommes un prestataire reconnu et notre produit était testé par plusieurs régulateurs et on a des relations professionnelles avec des régulateurs comme les banques centrales, les régulateurs des marchés de capitaux, les bourses, registres du commerce. Et nous avons traité plus de 2 millions de dossiers par an. Et on a et plus de 1200 entreprises nous font confiance en tant qu'un prestataire. Et nous sommes situés, comme je l'ai déjà dit, en Inde, aux États-Unis, au Royaume-Uni aussi, dans toute l'Europe, en Afrique du Sud, à Singapour et au Moyen-Orient. Et on a des partenaires, l'écosystème des partenaires, et on a des partenaires comme les quatre grandes sociétés qui sont les cabinets d'expertise comptable et aussi les autres cabinets d'expertise comptable comme
Grant Thornton, Rodel et Mazars. Et nous sommes aussi en relation aux entreprises informatiques comme TCS, ADD, HP, IBM et SAP. Et comme vous voyez, et ça c'est le rapport de la qualité. C'est le score de la qualité d'XBRL publié par un analyste au domaine d'XBRL et IXBRL. Et comme Iris Carbon, Iris Carbon est à la première place. Et il y a aussi des autres prestataires comme Edgar Filings, Serpent, DFIN, Workiva, et les autres aussi dans ce domaine qui offrent les services en XBRL et IXBRL. Et pourquoi on doit considérer sérieusement la qualité? La qualité, c'est très important parce que les régulateurs s'exigent la qualité et aussi les investisseurs. Et c'est impératif pour les sociétés de préserver l'intégrité du système financier en étant capable de détecter rapidement les erreurs, les fautes et les irrégularités comme dans les sociétés Enron, Wirecard, et il y a des autres aussi. Et il y avait des grands scandales au domaine financier parce que ces sociétés comme Enron et Wirecard n'avaient pas déclaré les divulgations financières correctement aux régulateurs. Et c'était difficile pour les régulateurs de prendre des mesures rapides à cause de la manque d'un mécanisme de réglementation financière dans ces sociétés. Donc, la qualité compte pour toutes les sociétés. Et aussi, quand une société cotée à la bourse déclare les divulgations précises au régulateur, ces entreprises deviennent transparentes et aussi ils ont reconnu aux investisseurs comme les sociétés à qui ils peuvent avoir la confiance. Une fois que la confiance a disparu, il est difficile de la regagner. Donc, c'est absolument exigeant que les sociétés conforment à la qualité des divulgations. Des erreurs seront commises, il y a deux sortes. La première façon, c'est à cause de la négligence. Ce sont des erreurs honnêtes, on peut dire, parce que c'est toujours à cause de la négligence. Et par exemple, quand la société GI s'est trompée à la divulgation financière, au lieu d'annoncer et déclarer 104 milliards de dollars d'investissement au gouvernement des États-Unis, ils ont déclaré seulement
104 millions de dollars américains. Donc, c'était une erreur grave. Et il y avait aussi une faute de frappe dans le rapport annuel d'une grande banque privée en Inde, c'est Axis Bank. Et vu que les banques ont des divulgations complexes, c'était une erreur grave aussi pour eux. Et certaines erreurs sont délibérément faites, par exemple, comme la société Enron aux États-Unis, Deccan Chronicle en Inde, Wirecard en Allemagne. Et avec le reporting en XBRL, on peut découvrir ces sortes d'erreurs. Qu'est-ce qu'on a fait? En tant qu'un prestataire, et aussi, on voulait savoir c'est quoi le niveau de la qualité aux sociétés européennes. Dans notre étude, on a pris quelques démarches pour arriver aux constatations. Et donc, voilà, c'est l'étude pour vous. Comment on a fait l'étude? On a organisé les questions tout d'abord. Quelles étaient les questions? Par exemple, on s'est posé des questions comme quelle est la qualité actuelle de l'information publiée par les sociétés européennes cotées en bourse? L'adoption de l'XBRL peut-elle améliorer la qualité de la publicité et des sociétés des informations financières? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'un déposant pour s'assurer que le dépôt serait exempt d'erreur? Et quel est le rôle des logiciels dans ce domaine? Quelle est l'exhaustivité de la taxonomie du ESEF? Et aussi, dans quelle mesure les entreprises elles peuvent utiliser les extensions pour saisir ce qu'elles déclarent normalement? Et pour ça, qu'est-ce qu'on a pris cette démarche? Tout d'abord, on a construit l'échantillon des sociétés européennes. Donc, on a choisi 1% de toutes les sociétés cotées en bourse avec un minimum de 10% dans chaque pays. Il y avait une représentation équilibrée des petites et des grandes capitalisations. Des sociétés à petite et des grandes capitalisations. Et il y avait un échantillon élargi en France pour couvrir 75 entreprises afin d'aider les entreprises françaises. Donc, au total, on a examiné 671 entreprises européennes. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a pris 4 étapes dans chaque pays. Donc, on a identifié les entreprises, on a téléchargé le rapport annuel financier, on a converti ces rapports en format iXBRL en utilisant notre outil Iris Carbon, en utilisant les extensions. Quand on avait besoin. Et après, on a vérifié en utilisant les règles de validation de ISEF et XBRL. Et après, les résultats étaient revérifiés par
par nos experts. Et on a ignoré les petites erreurs, toutes petites erreurs, et on s'est concentré aux erreurs graves et significatives. Voilà. Ce sont des statistiques de l'examen de la qualité. C'était un échantillon de 25 pays et il y avait 671 entreprises. On a choisi cet échantillon de 27 industries. On a engagé 50 experts en XBRL et on avait tagué 95 982 conseils et on a dépensé 10 000 heures de travail pour cette étude. Et il y avait 27 pays, donc dans l'échantillon de 171 entreprises, on a trouvé 66 entreprises qui avaient des erreurs dans leur rapport annuel. En France, dans l'échantillon de 75 entreprises, on a trouvé trois compagnies qui avaient les erreurs dans leur rapport annuel financier. Et c'était 4% des entreprises au total en France. Et quelles étaient les entreprises que nous avons examinées en France? Par exemple, c'était BNP Paribas, Christian Dior, Essilor Luxottica, on a examiné Michelin, L'Oréal et les autres que vous pouvez voir dans cette liste. Et quels étaient les types d'erreurs? Il y avait 4 types d'erreurs qu'on a trouvées. Et le premier type était les erreurs dans le calcul du total. Et lorsque les totaux calculés ne correspondaient pas aux totaux indiqués dans le rapport annuel. Ça, c'était le premier type, le manque de concordance des valeurs. Par exemple, quand on avait le même conseil présenté dans deux ou trois différentes parties du document, et ils avaient des valeurs différentes pour ces conseils pour une période donnée. Et les signes erronés, il y avait des signes qui étaient mélangés. Par exemple, au lieu d'avoir un signe positif, il y avait un signe négatif. Donc, la valeur a changé dans le rapport annuel. Et il y avait une date erronée. Donc, la date a été incorrectement indiquée dans le rapport annuel. Et on a trouvé que le plus grand type d'erreur était les erreurs dans le calcul du total. Comment on a réparé les erreurs où les avons-nous trouvées? La plus grande catégorie des erreurs était dans le cash flow statement. Et après, c'était le equity statement. Parce que ces deux rapports sont des rapports plus complexes dans les rapports financiers d'une société, normalement.
Et quelles étaient les constatations? Les entreprises à grande capitalisation font moins bien que celles à petite capitalisation. Et donc, la situation est claire. Normalement, on trouve que, on croit que les sociétés à petite capitalisation sont moins sécurisées ou ils font plus d'erreurs. C'est la perception générale. Mais dans ce cas-là, on trouve que, selon notre étude, on a trouvé que c'était toujours les sociétés à moyenne et grande capitalisation qui ont fait plus d'erreurs. Donc, la différence était 61% et 39%. Et on a réussi à démasquer quelques mythes. Par exemple, on pense souvent que la mauvaise gouvernance et la mauvaise divulgation d'informations sont d'une caractéristique des sociétés à faible ou petite capitalisation. Mais notre étude montre que ce n'est pas vrai. En fait, 40 des 66 sociétés dont nous avons trouvé des erreurs dans les rapports étaient des sociétés à grande capitalisation. Et quels sont les secteurs industriels qui ont fait le plus d'erreurs? Et on a divisé les erreurs par l'industrie dans notre rapport. Donc, on a trouvé que à l'industrie bancaire et financière et aussi de l'assurance, il y avait plus d'erreurs. Et donc, on a établi une corrélation entre la complexité des divulgations et la propension à faire des erreurs. Et les extensions analysées par l'industrie, quand on a fait ça, quand on voit le résultat, c'est on peut trouver à l'industrie bancaire et financière et de l'assurance, il y avait 100 sociétés qu'on a analysées. Il y avait le plus grand nombre des conseils étiquetés ou tagués dans cette industrie et la moyenne des extensions était 23. Donc, c'était le plus nombreux. Et quelles étaient les constatations principales par notre étude? Et donc, il existe une corrélation entre la complexité de la divulgation et la nécessité d'une prolongation, d'une extension. Et il est raisonnable de penser que l'utilisation des extensions augmenterait les erreurs de dépôt dues à un choix inapproprié de l'étiquette ou à un ancrage incorrect. Donc, il est important de choisir un logiciel où l'approche des extensions est visible et non, on ne peut pas le laisser à une boîte noire pour cracher. Et parfois quand une société essaie de chercher pour un meilleur logiciel pour le reporting en XBRL et EXBRL, souvent on entend que les extensions sont faites au back-end. Mais c'est une tendance dangereuse si on l'ignore parce que c'est tellement important qu'il y a plus de visibilité pour la société de voir les extensions en temps réel. Donc, la réponse d'avoir les extensions et le mécanisme des extensions est fait au back-end, ce n'est pas vraiment une bonne réponse. Et donc, on doit faire plus d'attention à choisir un logiciel avec plus de visibilité.
Et c'est la preuve et comment il a été rassemblé. Et par exemple, je vous montre un extrait d'un rapport annuel. Dans ça, c'est, ce sont des fonds générés par les activités de finance et d'investissement. C'est marqué en rouge. Et dans le total, c'était 181 000. C'était la valeur déclarée. Mais quand on a fait le même rapport en format XBRL et IXBRL, on a trouvé que le total actuel était moins 18 000. Donc, c'est une grande différence entre les deux valeurs. Et dans ce deuxième rapport annuel d'une société, et, on voit que pour le même conseil, on a deux valeurs différentes pour le profit de l'année dans le rapport annuel. Et c'était possible de trouver ces erreurs parce qu'on a, converti le rapport annuel en format XBRL et IXBRL. Et dans ce troisième rapport annuel d'une troisième société, la société déclare une perte dans son rapport annuel au lieu d'un profit avant les impôts. Et c'est une erreur tellement grave parce que le signe a changé la valeur complètement. Donc, la valeur qui était déclarée était moins. Et vous pouvez voir ça en rouge. Et le quatrième et le dernier, ce sont des erreurs des dates incorrectes. Donc, dans ce rapport annuel, l'entreprise a déclaré la date de 2017 pour la période en cours et la période précédente. Et donc, ça c'est aussi une erreur grave. Et on arrive au choix d'un bon logiciel. Comment un bon logiciel peut-il contribuer à la qualité? Le logiciel doit pouvoir valider les valeurs déclarées par rapport à la taxonomie afin de garantir que les erreurs sont facilement détectées. Si votre logiciel est avancé, par exemple, c'est plus efficace à détecter les erreurs facilement. Et le logiciel aussi doit être capable de détecter l'omission de fait. Et il est souhaitable que le logiciel permette une collaboration. Ça, c'est très, très important parce que normalement, il y a un mur entre les dirigeants de la société et les auditeurs. Par exemple, les dirigeants ne savent pas qu'est-ce qui se passe avec les auditeurs et les auditeurs ne présentent pas les faits aux dirigeants. Donc, quand on a un bon logiciel, ça aide à éviter un mur entre les deux et ça permet d'augmenter la collaboration
quand on a un bon logiciel et quand on a un bon logiciel, le résultat final, c'est il y a une augmentation de la qualité au rapport annuel financier. Pour cela, il est idéal de choisir une solution basée sur le cloud, le nuage. C'est parce que c'est facile à collaborer et faire les et approuver ou rejeter les tags en XBRL. Et XBRL par les auditeurs. Parce que quand on a une solution basée au cloud, c'est facile d'interagir donc, pour les dirigeants et les auditeurs. Donc voilà. Et le fait d'avoir un logiciel certifié par XBRL International, qui est l'association international pour certifier les logiciels construits pour la conversion en XBRL et IXBRL. Quand c'est certifié, quand un logiciel est certifié par XBRL International, on est certain et on est sûr que on peut compter sur le prestataire parce que il y avait les essais sur le terrain de l'AEMF, en anglais c'est ESMA, qui est le régulateur en Europe. Et ils ont invité les prestataires qui ont construit les logiciels pour la conversion en XBRL et IXBRL. Ils ont fait un test des logiciels. Donc, les logiciels des prestataires qui étaient de la meilleure qualité étaient certifiés par XBRL International. Donc, c'est vraiment important d'avoir une certification d'XBRL International au logiciel que vous voulez choisir. Et le logiciel doit être intégré à un éditeur de taxonomie parce que la plupart des entreprises finissent par créer des extensions à la taxonomie standard pour intégrer le propre besoin de divulgation. Normalement, quand on a la taxonomie de ESEF qui a été créée par ESMA ou AEMF, c'est en français, et quand une société a plus de conseils que la taxonomie de ESEF, on doit créer les extensions. Et le logiciel doit être capable de suggérer des éléments de la taxonomie standard auxquels des extensions peuvent être ancrées. Et ça c'est un autre aspect d'un bon logiciel. Le logiciel doit permettre le choix des extensions de manière transparente il doit pas être une simple boîte noire qui lance une extension à l'usage de l'entreprise. Et aussi, il y a un aspect final qui est très, très, très important parce que normalement, dans plusieurs sociétés partout le monde, c'est pas toujours que il y a des équipes
spécialisé ayant une connaissance approfondie de XBRL. Et sans les équipes spécialisées dans les entreprises, et l'entreprise doit être en mesure de générer elle-même une déclaration de divulgation sans erreur. Donc, c'est l'aide d'utiliser du logiciel, d'un logiciel. Donc, un logiciel doit être facile à utiliser aussi. Donc, c'est l'aspect final d'un bon logiciel. Et merci, thank you. Maintenant, Monsieur Thomas Verdun, qui est le vice-président de l'association XBRL Europe, va présenter. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci à nous et Naresh pour l'invitation pour présenter à la fois XBRL Europe, ESEF et aussi l'importance de la qualité qui est liée aux éléments ESEF. J'espère que vous voyez tous mon écran. Avant d'aller plus loin, je me propose de me présenter rapidement. Thomas Verdun, donc je suis effectivement vice-présidente de XBRL Europe, qui est l'association en Europe qui travaille sur le standard XBRL et qui a différents groupes de travail, à la fois sur ESEF ou même d'ailleurs sur la qualité du formalisme ESEF. Je ne vais pas rentrer beaucoup dans le détail, mais surtout redresser le panorama de ces éléments-là. Et puis, je suis aussi expert en réglementation financière chez BMEA et TECH. Avant tout, je voulais inviter tout le monde à visiter pour avoir plus d'informations sur ESEF et le balisage des informations financières qui commencera l'année prochaine. Je voulais inviter tout le monde à visiter le site esef.xbrleurope.org sur lequel il y a toute une série d'informations à la fois sur la réglementation, les taxonomies à utiliser, donc les dictionnaires de balises, les outils, dont celui notamment d'Iris qui héberge cette présentation, et puis aussi sur une série de webinaires explicatifs, à la fois par le régulateur ESMA et par différents intervenants de l'association XBRL Europe. Donc ma présentation est assez courte. L'idée est simplement de faire le point sur l'importance de la qualité, puisque ça a été très bien souligné par Naresh, qu'il y avait des erreurs aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va regarder un peu sur l'information financière aujourd'hui. Je vais faire quelques rappels sur ESEF, XBRL et comment on peut faire de la meilleure information demain, mais aussi les challenges que ça peut présenter, parce que ce n'est pas simplement baliser les données ou baliser l'information qui rend l'information correcte. La qualité, comme ça a été souligné, du balisage et du travail qui est fait autour qui rend l'information correcte et puis les outils qui permettent de rajouter des vérifications. Donc aujourd'hui, quand on ouvre un rapport annuel financier ou un document universel d'enregistrement, URD, dans lequel se trouve un rapport annuel financier, on a d'abord une première difficulté à trouver l'info. Beaucoup d'émetteurs ont encore des sommaires sans qu'on puisse cliquer nulle part pour trouver la page. Quand on a un numéro de page dans le sommaire, on a 2-3 pages de décalage entre la page imprimée et la page PDF et on peut avoir des recherches longues pour trouver l'information. On a aussi, ça n'a pas été souligné dans l'étude sur les erreurs, mais des difficultés sur un même concept avec des libellés différents. Sur des libellés français ou anglais qui sont non cohérents pour ceux qui traduisent leur documentation financière. Pour en regarder beaucoup pour le moment, il y a toujours une grande confusion entre prime d'émission qui est traduit additional paid in capital ou qui est traduit share premium. Ce n'est pas exactement le même sens quand on regarde dans les normes comptables. Alors, ça peut être des synonymes dans les langues courantes, mais quand on est dans les normes comptables, on fait porter un sens un peu différent.
Et puis, et ça a été souligné sur les signes, mais aussi sur la précision des chiffres ou sur les unités. Notamment, on voit encore des choses où c'est jamais très clair. L'earning per share, le résultat par action, s'il est en euros, s'il est en général, c'est ce qu'il est, mais il est présenté comme en milliers d'euros ou en millions d'euros. Bien sûr, on interprète, mais on n'est pas dans la précision exacte et parfois ça peut porter à confusion. Et puis après, c'est la qualité, comme ça a été présenté par Naresh sur la cohérence des données, les totaux, les renvois aussi. On n'a pas eu d'exemple là, mais entre les données qui sont dans les notes de bas de tableau et les totaux dans les tableaux, on peut trouver beaucoup d'écarts. Or, c'est dommage d'avoir une information qui est peu précise, puisque cette information sert à des décisions d'investissement, à des évaluations de la valeur de l'entreprise, à du scoring, à du benchmarking, à des travaux sur la valeur de la dette, etc. Et donc, c'est quelque chose qui est important d'avoir une donnée la plus correcte possible. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est majoritairement correcte. On a vu qu'il n'y avait pas une majorité d'erreurs, il y a plutôt une minorité d'erreurs, et qu'elle est revue à la fois par les émetteurs et puis auditée. Mais l'idée, c'est de vraiment améliorer les choses pour qu'il y ait encore moins d'erreurs. Donc, ESEF peut contribuer à ce point-là. Alors, un petit rappel, puisque ça n'a pas été fait jusqu'à présent, de qu'est-ce que c'est la réglementation ESEF, si vous n'êtes pas familier avec ce point-là. C'est un point de la directive transparence qui indique que la publication des données financières, du rapport annuel financier, doit se faire dans un format électronique. Et c'est l'ESMA qui a été en charge de choisir ce format électronique unique, European Single Electronic Format, ESEF, pour tous les émetteurs sur des marchés réglementés dans l'Union européenne qui publient leurs comptes aux normes IFRS. Dès qu'on est émetteur sur un marché réglementé, on n'utilisera plus le PDF, mais le HTML. Et dès qu'on a les comptes consolidés en IFRS, les états financiers doivent être balisés électroniquement avec la technologie XBRL dont a parlé déjà Naresh. Le calendrier pour faire ça, sur les comptes de 2020, c'est-à-dire l'exercice en cours, à publier dès l'année prochaine, le règlement attend un balisage des états primaires, c'est-à-dire le bilan, le compte de résultat, le compte de résultat global, d'abord consolidé et global, les variations de capitaux propres et le tableau de flux de trésorerie. Dans tous ces tableaux, il faudra taguer chaque donnée, alors soit avec une balise qui existe dans le dictionnaire standard publié par l'ESMA, soit avec une balise d'extension qui est directement ancrée, en anglais « anchored », à la balise ESMA au sens, ou IFRS au sens le plus proche, au sens normatif le plus proche. Donc ça, c'est la première étape. Il y aura une deuxième étape pour aller plus loin en travaillant sur les annexes sur les comptes 2022 publiés en 2023. Mais là, on est plutôt dans du bloc texte sur la partie conformité réglementaire. Donc, c'est un macro tagging des annexes qui est assez léger pour l'avoir déjà analysé. C'est surtout une invitation à baliser plus avec les avantages qu'on verra en termes de qualité de données ou qui ont déjà été un peu indiqués dans la précédente présentation. Alors, ce qui veut dire qu'en 2020, c'est l'année de préparation, surtout tournée sur les IFRS avec le mapping. Et je vais revenir sur ce point-là, sur les challenges de qualité, parce qu'en mettant des balises, fatalement, on arrive à automatiser l'approche de vérification des totaux, puisque les balises ont un sens entre elles. On voit que le mapping se fait par rapport à un dictionnaire, une taxonomie IFRS. Donc, on donne un sens aux balises. On donne aussi des meilleures qualités des libellés que je soulignais, puisqu'on a des libellés multilingues. Et puis, c'est l'occasion, puisqu'on fait un mapping en 2020 en préparation de cette réforme ESEF, de faire des ateliers pour s'interroger sur le mapping, la comparaison à la taxonomie IFRS, de mobiliser ses auditeurs, puisque en France en tout cas, les auditeurs doivent émettre une opinion sur le mapping et le respect du règlement ESEF. Donc, on a un bon exercice de remise à plat et de réinterrogation, à la fois sur les libellés, la présentation des données. C'est aussi une façon de limiter les erreurs.
L'extension telle qu'elle a été conçue par le régulateur permet de garder tout le sens en ne mettant pas des balises génériques, mais bien les balises sur mesure. Mais ces balises sur mesure qu'on construit, du fait de l'obligation de l'ancrage, on va donner du sens sur l'information, puisqu'on doit s'ancrer toujours à un concept qui est connu et partagé par le dictionnaire commun. Enfin, dernier point, le tagging, ce sera 2021. Je parlais de difficulté d'accès à certaines informations. Une fois qu'elles sont balisées électroniquement, l'accès se fait direct. Il y a des contrôles par quelque chose qu'on appelle les calculation rules de la taxonomie, ou en tout cas la calculation link base. Il y a aussi des éléments de signe, de précision ou d'unité qui sont explicites une fois qu'on fait un exercice de balisage électronique comme imposé par le règlement ESEF. Donc, on voit déjà qu'il y a des points qui viennent avec ESEF lever les difficultés ou les points d'erreur qu'a souligné Naresh dans la présentation ERIS, puisque en faisant cet exercice, on va fatalement lever les incohérences, ou l'outil de balisage et le moteur de vérification vont lever les incohérences, et ça aidera à améliorer l'information. Néanmoins, ce n'est pas si simple, parce que quand on fait le mapping, ça peut sembler rapide et facile, désolé pour la petite coquille sur le mot facile, mais ça peut sembler rapide et facile, et d'ailleurs dans 80% des cas, ça l'est. On trouve, comme sur cet exemple, les écarts d'acquisition, la balise, c'est Goodwill, et ça semble très naturel. Mais il y a aussi, de temps en temps, des situations où, justement, parce qu'on veut améliorer le sens, la précision, on voit sur l'exemple, autres actifs non courants, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont non courants? Il ne faut peut-être pas l'oublier. Et est-ce qu'ils sont financial assets, ou simplement des non-financial assets, où on reste sur un mélange des financial et non-financial. Le choix de la balise prend tout un sens, donc ce n'est pas un exercice simplement automatique à faire sur une reconnaissance des libellés, mais on va voir ce qu'il y a dans le poste comptable qu'on présente, et on essaie de donner la meilleure balise qui décrit le mieux la composition du chiffre qu'on présente. Donc, choisir le bon tag est important, puisque comme ça a été souligné par Iris, l'exercice pour vérifier la qualité de l'information était aussi de taguer ces informations et de les comparer aux règles de calcul taxonomique ou de cohérence taxonomique. Mais il faut pour cela qu'on ait un mapping qui soit fait avec la plus grande précision et une bonne discussion sur le contenu de ces éléments. Challenge supplémentaire, c'est que dans la taxonomie, on a un dictionnaire. Alors, j'ai pris un exemple, par exemple, ici, sur les participations aux entreprises associées, il existe un tag que certains ont tendance à présenter, Investments in Associates. Ça paraît simple si on fait la reconnaissance de l'UE. Ça n'est pas correct normativement, puisque si on regarde la documentation, en anglais, c'est l'information que donne une entreprise solo sur des participations. Ici, on est dans une entreprise conso avec des participations mises en équivalence. Donc, on a un tag, c'est celui qui est mis à côté du petit symbole du piège, un peu différent, mais plus correct. Donc, on voit que, effectivement, le balisage améliore la qualité de l'information à condition de faire correctement le balisage pour pouvoir avoir effectivement la balise correcte qui indique l'information et pas d'ambiguïté sur l'unité. Alors, on peut voir ça comme un défaut, hein. C'est difficile à faire, on peut se tromper, mais on peut voir aussi ça comme une amélioration, puisqu'en venant prendre la balise, on ne prend pas des libellés aussi libres qu'on faisait jusqu'à présent, avec éventuellement un peu d'ambiguïté sur le choix du libellé, mais on choisit une balise documentée qui est reliée à des paragraphes ou alinéas des normes IFRS, et donc il n'y a pas de confusion sur le sens de la rubrique que l'on présente. Alors, on a dit qu'on améliorait les échelles et les unités. Il ne faut pas l'oublier, et ce n'est pas parce qu'on balise qu'on ne fait pas d'erreur. Naresh a parlé d'une erreur entre milliards et millions de dollars. Quand vous balisez le nombre d'actions et l'earnings per share, le résultat par action, ce n'est sans doute pas en kilo-euros, donc il faut faire attention à ce point. C'était globalement les informations que je voulais partager avec vous sur le fait qu'on est dans une dynamique où, avec ESEF, on va baliser l'information, rajouter
un niveau supplémentaire qui va permettre d'améliorer la qualité de l'information, de la structurer aussi, puisqu'une taxonomie XBRL et ESEF, c'est quelque chose où l'information est structurée en termes de présentation, avec une arborescence, structurée en termes de calcul, avec des possibilités de règles de calcul pour vérifier les totaux, mais que l'exercice est néanmoins aussi dans le bon choix et la bonne application de la taxonomie. Alors, en tant que membre d'XBRL Europe, je dirais, effectivement, il y a le bon choix du logiciel, mais déjà, et tous les logiciels qui sont certifiés, ou les membres d'XBRL Europe proposent certainement des solutions très intéressantes, mais c'est avant même le choix du logiciel, la bonne application et la bonne lecture de la taxonomie qui va permettre de choisir les meilleurs tags et d'ainsi améliorer la qualité de l'information financière et d'éviter les erreurs. On a vu que la France était pas mal placée, avait plutôt des faibles taux d'erreur, mais on peut toujours faire mieux et le balisage ESEF peut y contribuer. Voilà donc pour ce que j'avais à vous dire. Aujourd'hui, je redonne la main à Naresh ou à nous pour la suite de ce séminaire. Thank you so very much. Naresh and Thomas for your presentation. And we thank everyone who has participated in this webinar. And we've got more than 90 participants, both on the YouTube and also on the Zoom link. So thank you everyone for your participation. We hope your presence and the entire presentation was useful. If you have any questions around this presentation that we made, feel free to email us to info@iriscarbon.com. And we will be happy to answer in any of the questions that you may have. Once again, I extend my thanks to everyone who's participated in this event. A special thanks to Thomas, who has taken his time and spoken at this event. And also a special thanks to our partner, Sigma Consul, who has promoted this event. And Sigma is our partner in France. So once again, thank you everyone for your time and availability. Thank you. Thank you everyone.